Et oui, comme vous avez vu dans la vidéo, on était avec le Gaulois pendant une journée complète, mais c'était agréable. On a passé un bon moment avec lui et le vicaire. Donc là, il nous a fait une surprise. Vous allez la voir dans la vidéo. Attention, nous allons coller l'autocollant sur le petit frigo des Van Lifer. Voilà. Bon, on lui a pas laissé un super souvenir de nous, mais bon, t'en auras un bon. Mais souvenir. Si, c'est bon, c'est bien. On n'a pas le soleil, bon. Ah, où c'est que je te le mets? Où tu veux. À pas gâcher trop de place, ça rentre ouais. Là. Ah ouais, regarde. Il y a toujours de la place. Nickel, regarde. Hop. Impeccable. Nickel. Putain, c'est bien le plus beau, hein. Beau. Franchement, c'est le plus beau. Ah. Tout ça, c'est de la merde, ces trucs-là. Ah, ça, non, c'est tout le monde. Ah, ça, encore bien. Ça, c'est de la merde aussi. Non, ça, je connais pas, je pourrais pas dire. Ah, Joe Baroud. Pouh, alors là, ça, c'est de la merde. Ça, c'est vraiment de la grosse merde. Ça. Surtout, ne vous abonnez jamais à toutes ces chaînes-là. Ah, non. Elle est bien, là. Nickel. Nickel. Merci. Voilà, on voulait partir. Bon, on a été bloqué pendant une journée. Parce que problème avec le camion. Bon, bah, vous le verrez dans la vidéo. N'hésitez pas à liker, surtout, et vous verrez bien. Alors, petit changement des plaquettes aujourd'hui du Master. Donc, c'est un Master 2, 2 litres 2, les plaquettes bien rentabilisées. On a fait quelques kilomètres avec. Du coup, bah, elles sont bien fines. Donc, j'ai déjà fait l'autre côté. On va attaquer ce côté-là. Pas beaucoup d'outillage, hein. Il faut juste une clé de 17, une clé de 16, un petit tournevis plat. Et puis bah ici la clé pour démonter les roues N4. Donc là, hop. On démonte le cache. On serre les boulons à l'avance. Du costaud quand même. Hein. Moi je les avais bien serrés, je pense. On l'aurait pas perdu comme ça. Non. Non, puis là quand ça freinait, ça faisait un bizarre de bruit notre ferraille. Mais il était temps. Ouais, je crois qu'on les a bien amortis là. Aujourd'hui, il fait bon pour changer des plaquettes, 33 degrés. Mmh. Puis comme ça, on sera prêt pour aller à la dinguerie sud. Bon, avant, on doit chantilly, tout ça. Oui. Donc là, on va caler. C'est que les craies qui marquent 5 tonnes ouais, notre... bon. Ah, voilà. Et notre camion fait 3 tonnes 5 et ça a du mal à lever hein, quand même à lever ça va lever mais... Le problème c'est que ça redescend.
Après, on peut pas emmener des gros criques dedans, quoi. Parce qu'on a pas de place. Bah, le camion, ça serait plus un 3,5 tonnes qu'on aurait. Ouais, puis là, c'est la place. Bah, de manière, là, on va fabriquer une remorque. Ouais, une petite remorque. Avec un essieu de voiture. Un essieu d'espace 4, je crois. Petite remorque, un peu tout terrain. Pour pouvoir nous suivre partout. Ça fait du sport, hein? Carrément. Après ça, un bon beefsteak. Ouais. Et ça va aller. Je vais assurer quand même un bisou. Du coup, là, tu fais voir comment changer déjà une roue avant les freins. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas. On sait jamais, hein. Ça arrive, hein. C'est pas insurmontable. Alors, l'important, c'est le cric. Franchement. Tout partout, est-ce que tu en galères, en fait, t'en galères à cause du cric. Les boulons s'enlevaient mieux. Visitez-moi la chaleur aussi, j'étais un peu long. Là on est à 33 degrés. Ouais, j'ai choisi le jour pour faire des plaquettes, quoi. Ok, oui. Il fait vraiment, très très chaud. Quand il, pleut, il fait très très chaud. L'avantage du VL, c'est que tu peux faire tes plaquettes toi-même, quoi, quasiment. Et ça nous a coûté 41 euros. Ouais, jeu de paquet de champions. Parce qu'il y a deux modèles sur ces trucs-là, en fait, il y a soit un modèle en roue 15 pouces et en roue 16 pouces sur les paquettes. Alors même avec l'IMAF, en fait, ils trouvent les deux références. Et ça, c'est chez... C'est ça? Ouais. Pièce auto, PAJ. Ils ont plusieurs magasins, Air-sur-Allée, Saint-Omer et Audruic. Donc en 17, on démonte d'abord cet écrou ici. Puis en 13, ce sera l'écrou du dessous. La choc manuel. On pas le choix, hein. Quoi? Ah, si, on a toujours le choix. Oui, mais soit bon. T'embarques une clé à choc, soit tu fais une cloche à choc manuel. Perso, la clé à choc manuel coûte moins cher. Les plaquettes tous les jours, mais un coup de temps en temps, ça serait bien de les vérifier. J'aurais dû les vérifier avant, avant que ça fasse du bruit. Là, ça va, ça va pas attaquer les disques. Non, donc déjà, là, la clé de 13. Le téléphone il s'est mis en chauffe, tellement il fait chaud. Après c'est plus des bons téléphones comme dans le temps. Dans le temps, t'as fait quoi dans le temps? Non mais dans le temps où j'étais pas né. Ouais. Hop.
On aimerait bien avoir un bon téléphone. Ouais, un truc qui vaut le coup, quoi. Donc en même temps, s'il y a quelqu'un qui peut nous conseiller sur un bon téléphone, ça nous aiderait. Un truc qui casse pas trop vite. Hop. Ah oui, en effet. Ouais, les plaquettes sont un peu jeunes. Tu vois, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est plus usée. Pareil de l'autre côté. La file est douce. Non, les coulissons vont bien. Donc là, je vais utiliser un petit outil pour repousser les pistons. Et ça s'appelle un repousse-piston. Ouais, petit outil. Normalement, ça va plutôt pas trop mal. Bon, ça coûte pas très cher. Mais au moins, tu galères pas aussi. Ouais, on a bien galéré déjà à chaque fois. Même souvent, quand on le faisait avec le 4x4 et tout, ouais. En force. Je prenais des pinces, enfin, tout ce que je pouvais trouver. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'outillage et puis hop, on fait tout nous-mêmes. Hop. Même opération pour l'autre côté. Il ne faut pas oublier, c'est que quand on redémarre, qu'on pompe une paire de fois dessus, pour pas être surpris. Ça peut pas être toujours le même système. Il n'y a que quand on change les disques, on vient juste démonter ce système pour accrocher l'étrier. On vient démonter ces deux petites vis. Puis on vient sortir le disque, remplacer le disque. Je l'avais fait pour l'arrière il y a un an. J'avais fait disque et plaquette. Mais ils étaient pas usés non plus. Tu te rappelles, c'est quand on a eu le choc. Ouais. Du coup, là, on repart sur du neuf, on est tranquille. Parce que les experts en assurance, ils disent que ça vient pas de l'eau. Et puis... Même si tout est neuf, ils savent pas. Alors... Ils sont pas trop experts. Quoi. Donc là, avec de la matière, ça change un petit peu. Il y a quelques millimètres d'écart. Quand même. Bon, nettoyant. Ça, c'est quoi ta bombe? Un nettoyant pour fin. Sponsorise Action. On achète tout chaque. Il fait une petite chaleur. Donc là, on va venir recaler droit. On resserre les croûtes 17 au-dessus.
donc là on bloque au micro 17. Hop, on vient rebloquer l'écrou de 13. Il fait très chaud. Et là on peut remonter la roue, donc remontage de roue. Donc c'est pas bien compliqué. C'est bon pour toi? Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire si ça vous a plu.